Bonsoir les petits loulous, bonsoir les petits chats. Ce soir, je vais vous conter l'histoire d'une nuit trop courte. C'est parti. Chaque soir, avant de se coucher, Archibald enlève ses chaussures. Sa maman lui a appris qu'on ne les gardait pas au lit. 1, 2, 3. Archibald commence tôt. Le soleil est à peine couché. 4, 5, 6, 7. Archibald est un mille-pattes. Il a un paquet de pieds à déchausser. 8, 9, 10, 11, 12. La lune monte lentement dans le ciel. Archibald défait ses lacets. 20, 30, 40, 50, 60. La chouette et la pipistrelle jouent dans la nuit. Archibald continue de retirer ses souliers. 101, 102, 303, 404, 505. Les étoiles clignotent dans la voie lactée. Archibald est à plus de la moitié. 669, 779, 889, 999, 1000. Ça y est, Archibald a terminé. Le mille-pattes peut enfin aller se coucher. Mais déjà, dring, le réveil se met à sonner. Chaque matin, au moment de se lever, Archibald remet ses chaussures. Sa maman lui a bien dit qu'on ne sortait pas pieds nus dans la rue. 1, 2, 3. Archibald commence tôt. Le soleil n'est pas encore levé. 4, 5, 6, 7. Archibald, le mille-pattes, a quantité de pieds à chausser. 8, 9, 10, 11, 12. La lune redescend doucement du ciel. Archibald refait ses lacets. 20, 30, 40, 50, 60. La chouette et la pipistrelle sont partis se coucher. Archibald continue d'enfiler ses souliers. 101, 202, 303, 404, 505. Les étoiles s'éteignent une à une du côté de la voie lactée. Archibald est à plus de la moitié. 669, 779, 889, 999, 1000. Ça y est, Archibald a terminé. Le mille-pattes n'a presque pas dormi. Mais la journée peut commencer. Ça y est, cette histoire est terminée. Tu peux t'endormir tranquillement. Si tu as aimé cette histoire, tu peux liker avec un petit pouce en l'air et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne car il y a plein d'autres histoires qui t'attendent. Au revoir.